for my heart. If you feel like and take me away, make it okay, I swear I'll behave. You wanna control, so we waited. I put on a show, now I make it. You say I'm a kid, my ego is big, I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue, I know you. Kiss me till you're drunk and I show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I know you. J'ai des vaches comme ça, mais j'ai aussi des oiseaux comme ça. Hein. Tu vois? Noir et blanc? Ah, des pies. Ouais. Tout est noir et blanc chez toi. Ouais. Alors, est-ce que tu as voulu avoir le record de la piste la plus petite chez un entraîneur de trot? Non, pas du tout, mais si vous n'avez pas de place, t'as pas d'autre choix. J'ai essayé d'acheter de la terre ici, de louer, j'ai essayé tout, mais il n'y a personne qui veut donner quelque chose ou qui veut vendre. Alors on était obligé de faire ça comme ça, mais ça va changer. Comme j'avais dit, on a l'autorisation de faire une autre piste et on va faire une piste comme il faut. Ouais. Parce que là, ceux qui voient les images en ce moment, ils doivent être choqués de voir cette piste et de penser à la leur et de se dire qu'ils ont moins de résultats que toi de temps en temps. Ah oui, mais on a une piste à Waregem, 10 minutes d'ici. Si on veut aller vite, on va par là. C'est pas si cher dans l'entretien, c'est gratuit. Alors, il faut être fou de faire une grande piste. C'est ça que je pense. On a la plage aussi, alors. Mais la plage, c'est 1h15 d'ici, alors on perd 2h30 d'aller à la plage. Avec le. Comment tu dis? Le marin ou comment tu dis ça? Les marées, ouais. Oui, les marées. C'est pas toujours évident d'aller à la plage pendant l'été, parce qu'il faut aller. À 5 ou 6 heures par là, mais on se débrouille. On a des autres vaches. C'est quoi l'intérêt d'avoir des vaches? J'aimerais bien pour avoir des prairies qui sont bien, ouais. C'est mieux d'avoir quelques vaches pour. Je n'aimerais pas trop les moutons, alors on prend des vaches et ça marche. Et mon père, il a toujours eu des vaches et c'est un peu génique, je sais pas, génétique. Christophe, kan ik roepen nu? Hein? Pas Wanny. Hein? Mon fils, il s'est également lancé dans le métier, Yann. Je sais pas. On est des. Écoute, il n'y a pas grand chose à gagner en Belgique. Les prix sont bas ici. Nous, on a une autre métier. On est entrepreneur et j'espère qu'il peut s'amuser avec des chevaux, mais j'espère qu'il va faire l'entreprise. Ici, on a acheté ce terrain ici. Je rêve, il y a déjà une piste qui est à moitié tracée là. Oui, on a. Il y a quelqu'un qui est venu pour marquer des. Et comment ça doit. Et comment on va le faire. Mm-hmm. On a fait déjà quelques tests. C'est plutôt
un carré, c'est pas un ovale, mais normalement on travaille pas si vite. Ça doit être assez grand pour travailler les chevaux. Et en plus, les tournants, ça va venir en pente ou... Oui, d'accord, en dénivelé. Oui. Ouais, et on a trouvé un entrepreneur qui va construire la piste. Et il y a à peu près 5000 tonnes de matériel qui doit venir pour faire la piste. 700 mètres de longueur et 8 mètres d'épaisseur. D'accord. Ça veut dire que dans un futur, pas si lointain que ça, tu comptes aussi avoir plus de chevaux? Oh, peut-être que... Hey, on a quelqu'un en service pour nous aider. Et peut-être on peut prendre quelques chevaux à l'entraînement. S'il y a quelqu'un qui a un ancien cheval qui ne veut pas le vendre, il peut toujours venir chez nous. Parce que là, il faut aussi préciser que tu ne veux pas, ou tu ne peux pas, je sais pas, c'est toi qui vas me dire, prendre des chevaux de propriétaire. Bah non, on n'a jamais eu. Pourquoi on n'a jamais eu? Parce que... on n'a jamais regardé à ça, mais si Christophe il veut entraîner un tout petit peu, il peut le faire, et on verra bien. On n'a jamais pensé à ça. Parce que quand tu récupères les vieux chevaux, donc tu les achètes, tu ne les loues pas, tu ne les as pas en pension, c'est tu les achètes. Jusqu'au maintenant, oui, mais... Allez, c'est le plus facile hein, d'acheter un cheval. Mais j'ai déjà eu des gens qui ne veulent pas vendre leur cheval. Et quand j'achète des chevaux, il y a des... Hey, j'ai acheté quelques chevaux qui doivent retourner vers leur propriétaire. Fin de la carrière passant toi, il doit retourner chez... Signé. Prince, il doit retourner chez Kamel. J'ai eu Interprix Trotny. Il est revenu chez Sylvain. Bah, tout comme ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas vendre, alors on peut le louer, on peut le tenir ici à l'entraînement. Toutes les possibilités sont là. On est venu sur l'hippodrome de Waregem, tu es venu travailler trois chevaux. Qui sont-ils et pourquoi être venu sur un hippodrome? Ben, on est ici avec Passant Toi, Rêve avec moi et Opéra de Joss. Ils sont ici parce qu'à la maison, la piste n'est pas assez grande. Et Passant Toi, lui, il a besoin d'un travail en vitesse. Parce qu'il n'a plus couru pendant quelques mois. Et aujourd'hui, il va faire 2 fois 3000 et un bout un peu plus vite que normal. Est-ce que c'est un problème pour toi de ne pas avoir une piste assez grande, assez large? Non, je pense que c'est un avantage parce que il faut beaucoup de caractère. Si vous avez une piste qui est grande, il faut beaucoup de caractère pour n'aller pas trop vite. Et avec mes vieux chevaux, je pense qu'ils n'ont pas besoin de parcours en vitesse. Donc toi, tu travailles beaucoup le moral des chevaux?
Obligatoire, hein. Il connaît tout, il connaît des pistes, il connaît de la vitesse, il connaît tout. Il faut, je pense qu'il faut changer le travail tout le temps et on essaye d'aller un peu à la mer et on fait tout pour s'amuser. Mais là, t'es comme Jean-Paul Marmion, t'es en bordure de piste, tu les attelles pas là aujourd'hui? C'est tout le temps comme ça ou c'est simplement pour rester à mes côtés? Non, mais normalement, j'ai pas le temps de venir ici. J'ai encore des autres choses à faire dans l'entreprise. Mais j'ai Philippe qui vient le lundi et lui, il aime de trotter et je le laisse trotter. J'ai assez d'occasions de mener un cheval. Mais donc, toi, tu pratiques l'entraînement un petit peu comme Jean-Paul Marmion alors? Ou alors, t'attelles combien de fois dans la semaine? Pas comme lui, j'ai pas des chevaux comme lui, mais... Dans le style. Oui, 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 mais hey, j'adore ça, de regarder un peu, mais si j'ai le temps, je me mets au sulky aussi. C'est pour ça qu'on a des chevaux, pour être avec eux. Mais aujourd'hui, que j'ai que trois pour trotter, et on est à quatre, alors c'est moi qui reste à côté. T'es le remplaçant, t'es le joker. Oui. Les chronos, Oliven? Oui. Bien. tu m'as dit 1-4 tout à l'heure, c'est des conneries? Non, plus vite. Non, ça marche 13, dernière 500. Pas mal, parce que Passantois, il n'est pas vraiment démonstratif au travail. Il est malin. Il sait quand quand la course est là, mais... Pas mal, pas mal. Comment t'es venue l'idée de t'engouffrer dans cette spécialité-là? Est-ce que c'est le programme PMU des courses belges qui font que t'y es venu ou est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de récupérer des deux chevaux? Est-ce qu'il y a de l'argent en PMU dans ces courses-là? Oui, oui, mais c'est pas venu comme ça. J'ai fait déjà beaucoup de choses. J'ai élevé, j'ai acheté des yearlings, j'ai acheté des chevaux qualifiés et j'ai acheté un vieux. Et avec le vieux, ça s'est bien passé. Avec les yearlings, on a acheté 5, un an on a acheté 5, on a qualifié 1 et les autres 4, ça n'a pas marché. Alors on a un peu de réussite avec un vieux là, on a acheté une autre et ça va bien et c'est... Pour moi, c'est plus agréable de mener un vieux tonton qui connaît tout qu'un jeune cheval. D'accord, donc c'est le fait de t'être lancé dans tout qui a fait que tu t'es spécialisé. Tu as tout essayé, les jeunes, les vieux, et tu t'es rendu compte que finalement, c'était avec les vieux que tu avais la meilleure réussite. Oui. On est d'accord. Comment choisis-tu justement tes vieux chevaux? C'est de plus en plus difficile parce que il ne reste pas grand chose. J'ai eu des chevaux comme Good Rye, Magnat Crown qui n'ont pas gagné beaucoup ou pas couru beaucoup quand ils ont été jeunes.
Magnat, il a couru, Goudray aussi, ils ont couru des courses amateurs parce qu'ils n'ont pas assez de gains pour courir en professionnel, à 5 ans ou à 6 ans, peut-être plus tard. Mais maintenant, les chevaux, ils commencent à 2 ans, 3 ans, et ils n'arrivent pas à 10 ans. En plus, quand ils ont couru beaucoup déféré, ils sont pas neufs, hein. Ils sont bien usés. Est-ce qu'il t'arrive d'acheter des chevaux, des vieux chevaux justement, sans les avoir vus? Et est-ce que tu les essayes tous avant de concrétiser la vente? Je pense que la dernière ou les dernières 15 ans que j'ai pas trotté un cheval pour acheter. Ah oui. Donc qu'au papier. Que non. Sur les performances. Ben, je vais aux courses, je le vois courir, on voit les jambes. Et quand il court toutes les semaines, il n'y a pas de problème. I don't know just how it happened. I let down my